Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et oui, premier jour de vacances pour Noël, et ça fait super plaisir. Et on va commencer tranquillement avec l'ouverture de ce petit duo pack. Voilà, duo pack, mais quand même assez bien fourni, puisqu'il y a trois cartes promo brillantes à l'intérieur. Alors, enfin, ils appellent ça les cartes promo brillantes. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça, puisque ce sont des cartes de série standard, il me semble. Peut-être que l'effet holographique change un petit peu. Et on retrouve ici un jeton Métallos, et on peut voir qu'il est légèrement abîmé, malgré qu'il soit tout neuf. Bon, on va regarder ça ensemble. N'oubliez pas que tout à l'heure, je vous ferai une petite vidéo programme des items que je vais ouvrir pendant ces vacances de Noël, donc durant ces 15 prochains jours, et franchement il va y avoir de très très beaux coffrets, et on va essayer d'ouvrir différentes générations, hein, que ça soit du XY, du Soleil et Lune et de l'épée et bouclier. Mais aujourd'hui, mais maintenant, on va s'ouvrir ce duo pack très sympa. Je trouve qu'esthétiquement parlant, il est plutôt chouette. On a Topicker, Trio Picker d'Alola, Gros Tête Morph d'Alola et le Gros Lème d'Alola. Allez, c'est parti. Alors, deux petits boosters pour ce samedi, mais vous allez voir, après, il va y avoir énormément de choses sur la chaîne. Voilà, et je vais vous montrer ça, bien sûr, en vidéo, les différents items coffrets que je vais ouvrir. Et franchement, ça fait super plaisir. Allez, on a... J'arrive pas à l'enlever. Franchement, leur ergo, c'est pas terrible. Alors, on a le jeton. Jeton Métallos. Alors, comme je vous ai dit, regardez, hop, je sais pas si vous allez voir, il y a quelques petits impacts dessus. Donc, le côté argenté est enlevé. Sinon, le jeton est pas mal, mais bon, on l'a vu tellement de fois que, à un certain moment, ça lasse un petit peu. On a quand même, donc, comme je vous ai dit, moi j'appelle ça pas des cartes promo, mais plutôt des cartes standards. On a la 42 sur 145. On a ici la 87 sur 149, donc Soleil et Lune. Et enfin la numéro 58 sur 149, là aussi on est sur du Soleil et Lune. Donc voilà, bon, ils appellent ça carte promo, moi j'appelle ça carte recyclée, hein, tout simplement. Allez, on a magnifique XY Evolution, franchement un très très beau booster avec Raichu en train de s'énerver avec cette attaque électrique. Et ici on a engloutirant, voilà, je crois que c'est ça, engloutirant, invasion carmin. Mais moi j'ai bien envie de garder celui-ci en dernier. Voilà, on va s'ouvrir ça tranquillou. Franchement, c'est plutôt chouette. Et puis j'aime beaucoup cette extension. Et puis j'aime beaucoup la série XY. Voilà, hein, j'ai pas tourné autour du pot. Hein. J'aime bien, les méga eggs sont magnifiques. Allez, on va s'ouvrir ça. Alors évidemment, sur deux boosters, j'attends rien. Voilà, j'attends rien. Mais bon, on est toujours content de mettre la main sur une petite ultra. Voilà, donc comme je vous ai dit, d'ici quelques heures, dans pas longtemps, le programme des 15 prochains jours, avec vraiment un super contenu. Hein. Franchement, il va y avoir des boosters à ouvrir, plein de boosters. Allez, Spectrum, très sympa quand même cette illustration. L'océan du néant, Lima Speed, Cabriolène, un petit étourmi. Tritox, Escargom, on a un petit bébé Kai. Oh, je crois que celle-ci, elle est quand même pas mal. Régis en rare reverse, et on va tranquillement avec Mamochon en rare. Allez, cette fois-ci, on attaque le deuxième booster de cette ouverture, et là, on est sur de la série, franchement, aïe aïe aïe. Très très belle série, et regardez-moi. Et oui, nostalgie, là on est dans l'instant nostalgie, hein, quand même. Allez, 1, 2, 3, hein, tout simplement pour avoir la carte rare en dernier. Pour plus de suspense, je crois que c'est un petit peu trop zoomé, on a un petit cocon fort, un reptincelle, indice du professeur, chaîne magnifique, Pikachu, un dos duo, chenipan, soporifique, on a un topiqueur, on a... Topicker, et malheureusement, alors peut-être une holo, ça serait sympa, hein, quand même. Yes, franchement, ça fait plaisir. Magnifique, je suis super content. Je sais pas si je l'ai dans la collection, en tous les cas, elle est magnifique. Et puis, bon, quelle nostalgie de retrouver Raichu holographique. Qu'est-ce qu'elle est belle. L'effet holographique est splendide sur cette série. J'adore cette série. Franchement, que ça soit sur les holos et les ultras, c'est magnifique.
C'est magnifique. Et regardez-moi l'allure de Raichu. Voilà, belle petite ouverture. Comme je vous ai dit, hein, ça fait vraiment plaisir. La nostalgie est bien présente. Et je suis content d'avoir fait cette vidéo, d'avoir partagé cette vidéo et cette ouverture avec vous. Donc on va la regarder encore une fois. Quand même, elle vaut le coup. Elle est quand même super belle. Raichu holographique. Voilà, donc comme je vous ai dit, dans quelques heures, petit programme des ouvertures à venir sur la chaîne. Et vous allez voir, il y aura de très très beaux items et des items qui commencent un petit peu à dater, qu'on voit plus. Voilà, hein, qui sont, je pense pas qu'ils soient trouvables, on va dire, classiquement. Voilà, donc j'espère qu'en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve tout à l'heure, voilà, tout à l'heure, tranquillou, sur la chaîne. Portez-vous bien, allez, ciao ciao.